BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Mensonge pour la CGP, la CGT, tromperie sur la marchandise pour Sébastien Chenu du Rassemblement National, une fable pour Olivier Faure du PS. Tous dénoncent la pension de retraite minimum à 1200 euros brut qui, en fait, ne profitera pas à tout le monde. Tromperie, oui. Alors, non factuellement, parce que depuis le début, rien n'est dissimulé. Mais je comprends leur réaction. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui tombent un peu de leur chaise en découvrant qu'effectivement, tout le monde n'aura pas 1200 euros dans sa poche, quoi qu'il arrive. Alors, pour comprendre comment on en arrive là, il faut reprendre le film, en fait, de la fabrique de l'information. Je dis bien la fabrique de l'information parce que les politiques ont une part de responsabilité. Et les médias aussi en ont une. C'est vrai que les politiques ont massivement communiqué sur le chiffre de 1200. Et puis après les échanges avec les Républicains, on a décidé de faire bénéficier de ces 1200 euros avec un effet rétroactif des gens qui sont déjà à la retraite. Et il y a eu donc, c'est inscrit dans le débat 1200 pour tous. Seulement, on a systématiquement oublié la fin de la phrase qui est noir sur blanc dans le document. Pour une carrière complète. En plus, c'est vrai que les chaînes d'info, chez nous, mais comme ailleurs, vous savez, on a ces rectangles bleus là en bas où on inscrit des titres, des séquences. Celui qui est juste devant vous. Il se trouve que nous, à BFM Business, on s'autorise 2 lignes. Vous vous rendez compte? Donc, il y a la place pour mettre de l'information. Mais sur toutes les autres chaînes d'info, vous avez 2, 3, 4 mots. Pension minimum à 1200 euros, il n'y a plus de place pour... Ça dépasse, comme dirait l'autre. Ouais, voilà. Si ça vous dépend, voulez ça dépasse. Pour une carrière complète, ça dépasse. Et donc, effectivement, oui, au fil du temps, c'est inscrit l'idée qu'il y avait une sorte de SMIC pour le retraité. Alors que ça n'a jamais été le cas. Et depuis le début, on a toujours dit, et très clairement, enfin toujours dit, pas partout visiblement, que c'était pour une carrière complète, pour les gens qui ont travaillé étant rémunérés autour du SMIC, qu'ils pouvaient effectivement prétendre à la pension à 1200 euros. Mais dans le vocabulaire du traitement de la réforme, c'est inscrite une idée différente. Donc dire qu'on a trompé, non, on n'a pas trompé. Mais dire que finalement, on est arrivé dans un brouillard généralisé qui conduit à une forme d'incompréhension globale, c'est pas complètement faux non plus. Voilà, ça, vous l'avez rappelé, ça fait des semaines qu'on parle de ça, donc il n'y a rien de nouveau. Pourquoi ça s'enflamme, entre guillemets, ces dernières heures? Pourquoi ces dernières heures, je me suis posé la question. Pourquoi là, soudainement, on tombe de sa chaise? Souvenez-vous, le 19 janvier, on était tous les deux ici, on avait fait un vrai faux sur les retraites, on avait posé, je ne sais plus, 10 questions, et il y avait une question que vous posiez. La retraite à 1200 euros, en fait, très peu de gens vont en profiter. Je vous réponds, parmi les arguments des anti-réformes, que cet argument était totalement vrai. Parce qu'on omettait la fin de la phrase pour une carrière complète et qu'on est devant une population qui, dans bien des cas, a du mal à boucler une carrière complète. Après, j'ai regardé aussi la mécanique de fabrication de la pension minimum. Franchement, là, c'est à se taper la tête contre les murs. Parce qu'en fait, la réforme proposée par le gouvernement consiste à augmenter de 100 euros le MICO. Le minimum contributif, qui est la pension de retraite de base. Ce MICO, plus 100 euros, passe à 847 euros par mois. Et on arrive à 1200 euros bruts en ajoutant la retraite complémentaire et en prenant la moyenne de la retraite complémentaire qui, peu ou prou, nous amène à 1200 euros bruts. Vous voyez le truc. Alors belle usine à gaz, comme on sait bien faire. Voilà. Après, d'ailleurs, la CNAV, aujourd'hui, est devant une sorte d'impasse technique pour identifier les retraités actuels éligibles. Ça va encore être très compliqué, cette histoire. Ensuite, c'est bien du brut. À un moment, on a dit du net, donc c'est bien du brut. Mais il se trouve que pour un retraité, le net est presque égal au brut, car il n'y a pratiquement pas de cotisation sociale. Vous avez la CRDS, vous avez la CSG, avec plein de niveaux de CSG en fonction de la composition du foyer et des revenus du foyer. Donc on devrait arriver dans les 1170 euros net. On sait aussi, depuis le début, que cette pension minimum sera indexée sur le SMIC. On sait qu'elle ne concerne pas les fonctionnaires, qui, pour une carrière complète, ont déjà une pension minimum garantie de 1248 euros par mois. Tout ce que je vous dis là, j'aurais pu vous le dire il y a un mois, il n'y a rien de neuf. D'accord. Là, aujourd'hui, le truc s'enflamme, et donc c'est le procès au mensonge. Je dois reconnaître que dans la communication du gouvernement et aussi dans les minutes accordées par les chaînes d'infos et dans les interviews sur des sujets très complexes, on ne va pas creuser chaque sujet dans son hyper-complexité, surtout quand cette hyper-complexité nous conduit à rentrer dans le détail du cumul du MICO avec la retraite complémentaire. On a bien senti que le gouvernement n'était pas si mécontent que ça, que s'installe les 1002 et pas le reste. Et bien donc, terminons le truc, à qui ça va bénéficier du coup? On prend un tout petit peu le temps. Et à tous ceux qui ont été payés autour du SMIC et qui ont une carrière complète. Alors, l'Institut des politiques publiques, qui fait un assez bon job, a essayé de faire des projections. Normalement, en septembre 2023, ça doit entrer en vigueur. D'après l'IPP, on devrait avoir, sur les 800 000 retraités sur une année, environ 200 000 retraités bénéficiaires. 80 000 à 1002 et 120 000 en dessous de 1002,
mais avec une revalorisation. Donc ça veut dire un quart des retraités qui verront leur pension revalorisée, des nouveaux retraités. Sur les anciens retraités, on est sur l'idée qu'il y a à peu près 1 800 000 anciens retraités qui vont bénéficier d'une revalorisation. Mais tous n'arriveront pas aux 1002. Et a priori, ceux qui seront aux alentours des 1002 sont ceux qui aujourd'hui devraient être à peu près, dans les retraités actuels, à 1100 euros de pension. Après, attention aussi de ne pas confondre la pension minimum et les minimums vieillesse. Parce que ça aussi, on l'a vu, le minimum vieillesse s'appelle l'allocation de solidarité des personnes âgées, l'ASPA. Et pour une personne seule, sous condition de ressources, un petit peu au-dessus de 11 000 euros de revenus par an, c'est de 961 euros par mois le minimum vieillesse et 1492 euros par mois pour un couple. Ce n'est pas le même sujet. Le minimum vieillesse est un minima social qui n'entre pas dans le champ de la réforme des retraites. Nicolas Dose et ses précisions. Vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. Voilà, c'est ça. Alan Greenspan sort de ce corps. Allez, à demain, Nicolas. Le marché parisien, lui, continue son petit bonhomme de chemin. On progresse de 0,48%, 7243 points.